Wesh les cutters! Wesh les bâtards! Les gars, on se retrouve aujourd'hui sur ce magnifique terrain d'athlétisme, pas pour vous montrer mon 100 mètres, mais pour montrer le 100 mètres de Mister Gasoil. Oh putain! Ouais mon ami. Est-ce que t'es chaud mon con? Putain, ouais je suis chaud, mais là on va faire un petit tour d'échauffement, clairement, t'as vu? Et après, petit à petit, t'as vu, on va arracher le bitume. Exactement, oh, mon pote. Bah oui, mon con. Je vais juste un petit peu expliquer le contexte, les amis. Vas-y, la parole est tantôt. Ah gros, t'es un tueur, gros. T'es magnifique, oh, Gasoil. Donc, comme vous le savez, les mecs, j'avais fait mon 100 mètres il n'y a pas longtemps sur un vieux terrain d'athlétisme là-bas, là, un petit peu. C'était pourri. Le sol était inapproprié, il y avait des gravillons, il y avait un virage dans le 100 mètres. J'ai tracé le 100 mètres avec mon pied podomètre et tout. Système D, MacGyver, tu connais. Du coup, j'ai lu vos commentaires. Dans les commentaires, vous m'avez dit « Ouais, Fkan, va sur un vrai terrain d'athlétisme, mets des chaussures, trace comme il faut le 100 mètres et tout. » Vous avez raison. Du coup, j'ai réussi à trouver un vrai terrain d'athlétisme à Bourg-en-Stresse. Comme tu peux le constater, là, tu as des lignes. Tu vois, c'est tracé. Là, regarde. À chaque ligne, ça fait 20 mètres. Du coup, le départ, il est juste là-bas derrière. Et l'arrivée, il est tout là-bas, mon pote. Et je peux te garantir que... Ben putain, ça fait super long, 100 mètres. C'est trop long, bâtard. Oh, la vérité, Gasoil, t'en penses quoi, putain? Putain. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen de faire un petit truc. Ouais, 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 t'inquiète bah pas. Bah ouais, mon con. Alors, avant de commencer, on va s'échauffer un petit peu. On va faire un tour de terrain. Gasoil va nous faire un petit peu des flexions et tout, là, parce qu'il faut démarrer la Lamborghini, là. Bah ouais, mon pote, putain. Le moteur, il est froid, là. Ouais, t'inquiète pas, tu vas te mettre bien. Et après, ce qu'on va faire, c'est que Gasoil va faire plusieurs essais. Gasoil, franchement, tu le sens comment? T'as envie de faire plusieurs essais? T'as envie de faire comment? Bah là, je vais faire un tour de terrain pour m'échauffer, clairement, tu vois. Ouais, vas-y. Là, je vais courir une fois. Ouais. Et puis, je vois que je trouve bien. On fait la course dans les couilles. D'entrée de jeu? D'entrée de jeu, nique sa mère. Tu veux pas faire un essai comme ça au 100 mètres? Je sais pas, après, je vais être trop épuisé, frérot. Ouais, parce que c'est vrai que, bon, il faut le préciser, tu vois. T'as un physique de ouf, on est d'accord. Ouais. Mon pote, ton physique, pour moi, il est parfait. Oh, on dirait Bruce Lee en plus massif, j'ai toujours dit. Merci, frérot. Mais, tu fais pas de muscu. Ouais. Et tu fumes des clubs. Ouais. Voilà. Putain, c'est pas bon ça, les gars. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, gros, tu sais quoi? Moi, je pense que là, les abonnés, ils vont être d'accord avec moi. Tu vois, si t'as envie d'arrêter, si vraiment t'as envie d'arrêter, les abonnés peuvent t'envoyer des messages d'encouragement dans l'espace commentaire. Ouais, ça serait cool ça, les gars. Voilà. En fait, Gasoil a envie d'arrêter. Enfin, il a envie, des fois, il a pas envie, tu vois, on sait pas trop. Tu sais, depuis qu'il commence à faire du sport, il se dit qu'en fait, le sport, ça pète sa mère, tu vois. Depuis qu'on a fait le sprint, là, ça t'a chauffé, bâtard. Bah ouais, bâtard. Eh ouais, mon con. Oh putain. Du coup, oui, bah, il a pas trop de cardio parce que Miskin, il fume. Il aimerait arrêter, mais il lui faut du soutien. Voilà. Envoyez-lui de la force, les clés. Envoyez-moi de la force, envoyez-moi du soutien. Bande de bâtards. Attends, attends. Arrête de me victimiser, gros, c'est bon, putain. Arrête, arrête, Gasoil. Arrête, c'est bon. Bien. Oh, donc là, putain. Tu vas faire un tour de test, de chauffe. Tu vas faire quelques flexions comme ça, je te montrerai. Ouais. Et puis après, frérot, écoute, si tu veux qu'on fasse ta course d'entrée de jeu, moi, je te sonne tard direct. Oh putain. Moi, je m'en bats les couilles. On va faire la course. Je vais dégusser comme un McFleury sans la page, bâtard. D'ailleurs, en parlant de McFleury, les gars, je vous le dis, vous êtes témoins. Moi, je m'en bats les couilles. Là, on va faire la course après. Si jamais Gasoil gagne, s'il me bat aux 100 mètres, je m'engage. Parole d'honneur. Parle de curnave. Je lui paye un McDo par semaine jusqu'à la fin de ma vie, bat les couilles. Si jamais tu me bats. Hein. Oh putain. Par contre, si c'est moi qui gagne, ben je te paye quand même un McDo tout à l'heure. Oh putain, merci. C'est bon, ça fait chaud. Marché conclu? Marché conclu. Marché conclu. Marché conclu, ouais. Allez, c'est bon. Bon, allez les gars. Là, on va se chauffer. En tout cas, vous savez quoi? Ben, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable, un vrai terrain d'athlétisme. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il n'y a pas de gravier chelou. Ouais, c'est du goudron qui agrippe bien. Il y a le marquage, c'est une ligne droite. Franchement, c'est excellent. Du coup, je pense que je vais retenter mon 100 mètres après chronométré. Ah ouais? Ah putain, mon pote, je suis trop chaud. Oh putain, bâtard. En fait, j'ai toujours du mal à accepter que j'ai fait 14:33, sa mère la pute. Oh putain, c'est chaud ça. C'est la honte. Je suis pas d'accord, Gasoil. Ouais, ouais, j'avoue. Je suis pas d'accord. Ouais. Moi aussi, je suis pas d'accord, voyons.
Bon, allez, finis les conneries là, bordel de cul. Finis les conneries. On va t'échauffer. Là, on va faire un petit tour de chauffe. Allez, c'est parti, Gasoil. Allez, go. Bien, allez, on y va. Allez. T'as l'Eye of the Tiger aujourd'hui, non? Ouais. T'as pas l'œil du chat, rappelle-moi. Plus tard, bientôt, là, j'aurai l'œil du tigre. T'as excellent. Mon vrai. Pour le moment, là, t'as l'œil du chat. Ouais. Et puis après, t'auras the Eye of the Tiger. Voilà. Ok, tu regardes la proie. Exactement. Elle se chie dessus. Ouais. Parce que t'es un tigre, Gasoil. Exactement, mon con. T'es un champion, t'es le meilleur. T'inquiète. Et le 100 mètres, l'armée s'arrête là. Voilà, le 100 mètres, mon pote, l'arrivée, c'est là. Gros. Oh putain, bah. Ça, c'est l'arrivée, ça. Oh, putain. Putain, c'est long, bâtard! Oh, ça va être pète sa mère, Gasoil. Oh putain, ouais, j'avoue. Alors, moi, je pense que ça va bien se passer, frérot. Je sais pas, hein. Oh, tu vas le suntar, le 100 mètres, t'inquiète moyen, même pas. Il y a moyen, il y a moyen. Gasoil, écoute-moi bien. Ouais. Écoute-moi bien. Ouais, je t'écoute. T'inquiète, j'ai pas trop de pelle. Putain, je crois que t'as une galoche, bâtard. Non, écoute, frérot. C'est quoi? Ouais, mon con. Il faut que tu te dises que t'es le meilleur. Ouais. Tu vois, en fait, ça joue sur le moral. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu te dis. Je vais le prendre, le mec, je vais le broyer. Ouais. Je vais en faire un steak haché. Oh putain. 5% de matière grasse. Ouais. Tu vas virer toute ta graisse. Oh putain. Et ben moralement, tu dis qu'en fait, tu peux pas perdre. Ouais, bah ouais. Tu comprends? Ouais, je comprends. Si tu te dis, oh, pff, ouais. Je vais faire de mon mieux, oh, je suis pas sûr de gagner et tout. Non, non. Tu vas pas te défoncer. Non. Ouais. D'accord? Donc dis-moi, t'es bon vite fait ou t'es le meilleur? Je suis le meilleur. Tu fais quoi, Usain Bolt? Tu le mets une petite claque? Ou tu le prends, tu lui mets un coup de genou et tu le mets en sang comme ça. Bah, comme t'as dit, je vais mettre le coup de genou en sang et je vais le mettre, je vais le truquer comme un entrecôte de bœuf, mon pote. Oh, mais Gasoil! Oh, c'est tout dégueu. Voilà, ça j'aime bien, tu vois. Là, t'as un esprit de winner, t'inquiète. Oublie pas, gros. Ouais. T'es Bruce Lee en plus massif. T'inquiète. Bruce Lee, c'est jamais chié dessus. Ouais, ouais. Bruce Lee, c'est un mec. Il prend, tu sais, le taureau, il prend pas par ses cornes. Ah ouais. Il lui prend par ses burnes. Ah ouais. Il l'arrache comme ça, tu vois, parce que c'est ça. Bah ouais. Un esprit de winner. Exactement. Donc t'es un combattant, Gasoil, t'es le meilleur. Ouais, je suis le meilleur. Exactement. Bah, ça dit, on continue notre tour de chauffe, là. Ouais. Allez, c'est bon. Allez, les gars, on reprend. Oh, putain. Ok, les gars, là, on vient de terminer notre tour de chauffe. J'ai demandé à Gasoil également de faire quelques flexions. Excellent, Gasoil. Putain, ça craque bizarrement ici, là. Oui, t'as vu? Ouh là là, oula. Faisons une dernière. Voilà, écoute. T'as assez chaud ou pas? Ouais. C'est bon? Ouais, ouais. Écoute, mon frérot, ce qu'on va faire. Ouais. Là, tu sais quoi? Tu vas te caler sur ton numéro préféré. Vas-y, mon con. Comme les sprinteurs, mon pote. T'es un professionnel, Gasoil. Je veux rien savoir. Vas-y, mon con. D'accord? Vas-y. Moi, ce que je veux, c'est que tu fasses un test tout seul. D'accord. D'abord. Ouais. Moi, je vais aller là-bas et je vais te chronométrer. On fait un premier essai. Si je vois que t'as un bon score, là je te prends un défi, on fait un 1-1. Vas-y, mon con. Si par contre je vois que tu pues la merde, ah ouais. Je te donne une deuxième chance. Vas-y. Tu refais un autre test. D'accord. Et à la deuxième putain. Chance, gros, même si t'as fait un score tout pété, je te prends. En 1-1, à Gare du Nord, je m'en bats les. T'as compris? Vas-y, putain. T'es chaud ou t'es froid? Vas-y, je suis chaud. T'es chaud comment? Je suis sous jar, mon pote. C'est bien, mon pote. En fait, il a dit je suis sous jar. Sejar, ça veut dire chaud en turc blédard. Voilà, voilà. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà. Comment on dit chaud en turc moderne? Bah, sejar, normal, non? Non, on dit sejak. Ah, sejak. Tu sais, le mec un petit peu aristocrate, tu vois. Ben chouk, sejak oldom. Voilà. Donc là, Gasoil, t'es comme ça, d'accord? Ouais, je suis comme ça. Ton ennemi juré, il est là-bas, cet enculé. Le tigre bâtard. Tu vois la ligne blanche tout ouais, au fond? Là-bas, ouais, là-bas, où il y a le troisième poteau aux armes. Voilà, en fait, gros. Tu quittes pas cette putain de ligne des yeux. Ouais. Oublie pas que t'as The Eye of the Tiger. Je dis que c'est ma proie là-bas. Voilà. J'essaye d'aller dessus comme un chacal. Exactement. Voilà, mon con. Toi, t'es le tigre. Ah ouais. Tu vas enculer le gibet qui est là-bas. Ouais. Oublie putain. Pas. Tu t'inquiète. Vas en faire quoi? Un steak haché 5%. Voilà. On est d'accord. Entre côte de bœuf. Donc, tu vas être comme ça. Oh, après, tu vas faire comme ça. Et ouais. Là, gros, écoute-moi bien. Ouais. Boum, tu bombardes. Ouais, je vois. Mais tu donnes toute ta force, d'accord, d'accord. Ouais. Et les abonnés m'ont dit, ouais. En fait, il faut que tu cours sur la pointe des pieds. Ah ouais. Pas d'accord. Comme ça. D'accord. Ouais, bon, après, gros, c'est très technique. Hein. Ouais, tu pourras pas y arriver du premier coup, tu vois. Ouais, c'est quoi? Fais comme le cœur te dit de le faire. D'accord. Comme tu as envie de le faire, ton feeling. Je te donne les techniques, mais après, c'est toi qui vois. Je vais écouter mon instinct. Exactement, voilà, ton instinct de prédateur. Voilà. Oublie pas que tu as un tigre aujourd'hui. Voilà.
Ouais. Tu seras un chat tout à l'heure au McDonald's. Pour le moment, t'as un tigre. Putain. Donc, moi, je vais aller là-bas. Vas-y. Miguel, elle va être au milieu du parcours. Ouais. Et puis, elle va te prendre départ et arrivée. Ça marche. C'est bon ? D'accord. Allez, mon pote. Vas-y. Je compte sur toi, Gazo. Ouais. Tu ne déçois pas. Merci, mon coup. Merci, mon ami. T'inquiète pas, je suis là. Ouais. Je sais que t'es là. N'oublie pas, gros, t'es le meilleur. Ouais, je suis N'oublie le meilleur. Jamais ça. Ouais. T'es le meilleur. D'accord. Je suis le meilleur. Voilà. Ouais. Je m'inspire de Ron. Tu sais, quand il m'a entraîné le boxeur. Oh, gros, le boxeur. Ah ouais. Il m'a enculé. T'es sérieux ? Il m'appelait comment ? Big boy. Oh. Come on, champ. Il me disait, allez, champion. Allez, grand garçon. Lève-toi. Relève-toi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, bah ouais. Tu sais comment Vegeta, il traite son fils Trunk ? Ouais. Il le nique. Ouais. Eh ben, il a raison de niquer. Ouais, il a raison. Voilà, comme c'est ça, comme ça, c'est un homme. Voilà, t'as tout compris. Allez, les gars, c'est parti. Vas-y, go. Les gars. Écoutez, avant de vous annoncer le score, nous allons attendre le champion. Champion, Yala. Ouais, mon con. Bon, je te montre pas le score tout de suite. Putain, je suis impatient. T'es impatient? Tu veux vraiment voir le score ou pas, gros? Oh putain. Moi, je pense à un score déchétral. Frérot, écoute. Moi, j'ai rien. D'accord, je vais laisser les abonnés juger et toi aussi. Ouais. Je te montre le score. Je vous montre d'abord à la caméra, d'accord? Vas-y. On va aussi voir la réaction de Miguel. Oh putain! Non! Oh putain, c'est honteux. 17-47, gros. Honteux. Putain, finalement, je suis content de ma performance, là. Ouais, mais moi, il manque du cardio, bâtard. Ah, il te manque tout, mon pote. Bah ouais. T'es un gasoil. Il faut qu'on fasse un truc. Putain, j'ai couru comme une pute, là, non? Regarde-moi ça, c'est du gâchis, putain. Ouais, j'ai fait. Regarde-moi ça, c'est pas incroyable, gros. Putain, il fait même pas de muscu. Oui, mec, tu le prends, tu le mets à la muscu, tu le mets à l'athlétisme ou quoi, il finit dans Fast and Furious, c'est sûr. Oh, putain. Imagine, bâtard. Gros, gasoil dans Fast and Furious en train de faire le méchant. Oh putain, bâtard! T'es dans ta Supra comme ça! Oh ouais, putain, tu veux détruire le monde et tout! Oh putain! Bon, Gasoil, écoute mon ami, qu'est-ce que t'en penses là? Tu vas faire un essai ou c'est mort? T'en peux plus là, non? Si, j'en peux, mais je sais pas. Hein. Putain, bâtard! 17-47, Gasoil, excuse-moi. C'est... Écoute, tu sais, moi je vais te dire, quand je t'ai vu courir, je me suis dit. Ah, je me suis dit. Miskin, ça se voit qu'il fait pas de sport. Bah ouais, mais je cours jamais, moi, ouais, je cours jamais. Bon, du coup, tu veux faire quoi? Tu veux refaire un autre essai ou on fait un 1-1? Ah, je sais pas. Hein. À mon avis, si on fait un 1-1, on sait déjà qui va gagner. Ouais, toi. Mais bon, comme tu veux, après, si tu veux, on peut essayer. On essaie, mais moi, je pense que tu vas me ken. Ok. Enfin, je pense pas, je suis sûr. D'accord. Voilà. Bah, tu sais quoi? Bah après, tu t'es amélioré, toi, en plusieurs essais. Ouais. Va s'améliorer. Mais, ouais, mais en fait, ça se voit, il est mort, là. Ouais. Désolé, tu te sens comment? Tu veux refaire ou pas, gros? Bah là, je me sens bien, mais la prochaine fois, je pourrais pas, tu vois. Donc, en gros, il te reste assez de batterie pour faire un dernier essai. Tu veux qu'on le fasse ensemble? On fait un one-one comme ça? Ouais, vas-y, ouais. D'accord. Juste, tu permets que je m'échauffe un petit peu avant quand même? Vas-y, va. Parce que là, gros, là, moi, là, je descends en dessous de la barre des 14, là. Ah ouais? Par contre, bah attends, qui va tenir le chronomètre? Un premier essai tout seul? Hein? Refaire un premier essai, voir si ça change. D'accord. Le terrain et tout. Ok, ouais. Vous savez quoi, les gars? Je vais refaire un essai seul. Et il va me chronométrer avec un terrain approprié. D'accord? Et puis après, gros, après mon essai, on fait un 1-1. Ouais. Ça marche? Ça marche. Donc, vas-y. Écoute, franchement, t'as quand même. Pour un mec qui fait pas de sport, moi, je trouve que t'es allé jusqu'au bout, tu vois. Ouais. T'as pas abandonné à la moitié. Ouais. J'ai vu quand t'as tracé là, t'étais encore à fond. Et mon pote, tu sais, quand j'ai vu ta gueule, j'ai vu quoi? Ouais. Pas un œil du tigre. Oh putain. J'ai vu un œil d'ours qui a ken avec un œil de lion. Ça a donné. Un centaure. Oh putain. On aurait dit un centaure quand t'es arrivé, mon pote. En train de galoper comme ça. Oh ouais. Oh, c'était monstrueux. Félicitations. Putain, merci, mon ami. Je te sers la patoune. Merci, mon con. Non, c'est bien, Gasoil. Le but, c'est, tu vois, de ne pas avoir abandonné. Ouais. C'est le plus important. D'accord? Ouais. Maintenant, les gars, moi, je vais faire un petit tour de chauffe. Et puis après, je vais faire mon 100 mètres. Je vais le refaire. Et là, je vais essayer de descendre en dessous de 14-33.
Putain, du progrès, hein. Putain, moi, je te montre le score. Ah ouais. Ah ouais. Putain, la honte. Pensais que... Putain, la honte. Viens là, bâtard. Viens là, enculé. Ah, frérot. Je suis cuit. On m'a rôti tel un poulet thermostat 8. Oh, putain, bâtard. Ah là, j'ai tout donné, là. Oh, en fait, gros, 100 mètres, c'est trop long. Bah ouais, c'est trop long, c'est bâtard. C'est trop, trop long. Oh, putain. Ah, j'ai de la patate, les 50 premières mètres. Ouais. 50 premiers mètres, pardon. Ouais. Et à la moitié, ouais. Mes jambes, elles se fatiguent, c'est un truc de ouf. Ouais, ouais. J'ai fait combien? Tu veux voir, bâtard. Vas-y. C'est mieux que la dernière fois, hein. Ouais, mais ça m'énerve. Ça t'énerve? Putain, mais par contre, le chiffre est impressionnant. Ouais, j'avoue. 14 piles. 14 piles, bâtard. Pas une seconde de plus, ta chatte. Putain, en fait... C'est un exploit. Bon, en tout cas, le terrain, il va bien mieux, hein. Ouais. Le terrain, c'est un film de cul. Ouais. Du coup, on fait quoi, Gasol? T'es chaud pour retenter, toi, ou tu veux faire un 1-1? Vas-y, on fait un 1-1, mais tu vas me ken. C'est pas grave. C'est pas une raison, ça, gros. Vas-y, hein. Oublie pas, le but, c'est pas de gagner, ouais. C'est de ne pas abandonner. Voilà. C'est tu te prends une droite, tu te relèves. Voilà. Regarde, Vegeta. Ouais, Vegeta. Pourquoi est-ce qu'on l'aime? C'est pas parce qu'il gagne tout le temps, ouais. C'est parce qu'il abandonne jamais. Ouais, c'est vrai. Vrai ça ou pas, gros? C'est vrai, gros. Ouais, Vegeta, gros, il tombe, il se relève. Ouais, c'est vrai. T'es bien débrouillé, Gasol. Ça va, hein? Ouais. Putain! Oh, j'ai dégusté mon con. Oh putain, je sais que t'as dégusté. Ah, j'espère que. Mais t'as dégusté le record aussi. Arrête. Raconte. Je te jure. Que... Raconte, non. Mon pote. Non, arrête. Ah, si, mon pote. Ah, tu me fais rêver. Là. Oh putain. Ah. Putain, tu vas arriver, frérot. Sérieux? Raconte. Vas-y. Non, c'est pas vrai, Gasol. Mais si, c'est vrai, bordel. Bordel de cul, comme je suis fier de moi. Putain. Oh, je suis content. 13 secondes 16, bordel. Oh, 13 16, ça m'a l'air. Plus 16. Non. Putain. Oh, putain. Oh, les gars, comme je suis content. Ça se rapproche de Usain Bolt, là. Oh, t'as vu, gros. Oh, t'as vu, quand tu forces, bah ouais. Quand tu tryhardes dans la vie, oh, quand t'abandonnes jamais, c'est ça, mon pote. Ah ouais. Oh, putain, je suis trop content. Ah ouais. Ouais. Putain. Oh, je suis trop content. Excellent. Putain, je suis content putain, pour toi aussi, bâtard. Oh, wow. Oh, mais là, j'ai l'impression d'avoir fait un truc de ouf dans ma vie. Ta voix, elle a changé. Ah ouais. Ah, c'est l'émotion. Ah, c'est l'émotion. Trop d'émotion, hein, frère. Ah, tu m'as entendu souffler. Ah oui, oui. J'étais prêt à mourir. Ah, mais Gasol, j'étais prêt à mourir. Putain, dans ma tête, je me suis dit, c'est aujourd'hui que je meurs. Ah ouais. Ah ouais, j'étais trop déter, gros. Oh. Putain, je suis fier de toi. Bah, je suis content. Putain, les abonnés, vous en pensez quoi, les gars? Oh, putain. Vous en pensez quoi? Oh, ça fait tout, le terrain, gros, ça fait tout. Ah ouais. Ça fait tout, le terrain. Ouais, t'as raison. Putain, je me suis fait arnaquer, moi. Bah ouais, pas l'autre fois, là-bas, au terrain tournaisé. Ouais. Du coup, ah, je suis très content, les gars. En tout cas, Gasol, je voulais vraiment te remercier. Tranquille, mon ami. D'avoir participé avec moi. Ouais, et moi, je suis fier de ton score, mon ami. Merci, mon ami. Putain, on me fait que t'as dégusté. Ouais, c'est normal. Quoi. Oh putain. Bon. Du coup, écoute, moi aussi, bah, je suis très content que tu aies tenté ton 100 mètres. Ouais. Et je suis content du 1-1 qu'on a fait ensemble. Ouais. Putain, comme ça, je t'ai. Ouais. À mon avis, si t'étais pas là, j'aurais pas fait 13-6. Non, ouais. 13-16. 13-16, ouais. C'est ça. Ouais, bah, merci. Ouais, et tranquille. Merci également de m'avoir accordé ce 1-1 honorable. Tranquille, mon ami. Et puis, j'espère que t'as passé un moment agréable en ma compagnie. Oh putain.
putain, ton truc là, ça me dépouille, j'ai les trous de nez, bordel. Du coup, frérot, je te paye un McDo là. Vas-y, mon pote. Tu vas prendre quoi? Je sais pas, je vais prendre un menu Big Tasty, je pense. Ils le font les Big Tasty en ce moment? Je sais pas, où je prends la 280, nique sa mère. Et tu prends quoi comme sauce? Sauce de lui. Bah, allez, les gars, on va cesser là maintenant. On vous dit bye bye et à la prochaine. Peace. Ciao.